Yo confío a ver que je travaille sur le texte que nous avons laissé la dernière fois. Et quand nous avons dit, nous étions en train de voir comment produire de façon très simple une table des matières, un index avec InDesign 2020. Donc, nous allons chercher le fichier que nous allons ouvrir. Donc, ce fichier comporte certains documents de 10 pages. Donc, nous avons dit que dans la structure, il a trois types de paragraphes. Titre niveau là, sous-titre niveau, corps de texte et liste numérotée. Donc, le premier problème que nous voulons résoudre sur les listes numérotées là, c'est que nous voulons supprimer le tiret qui et placer devant le texte pour toutes les listes là. Il y a déjà un style de paragraphe qui est appelé numéroté qui est appliqué à cette liste là. Donc, nous pouvons tout simplement faire rechercher remplacer. Édition, rechercher remplacer. Nous allons donc dire en disant que chaque fois qu'il voit un tiret, c'est que en début de paragraphe, je veux dire donc nous allons ici nous ne sommes pas dans l'onglet grec donc nous plaçons dans l'onglet grec donc disons que en début de paragraphe si tu vois un tiret alors tu vas tout simplement le supprimer. Et il a fait ça dans tout le document. Pour que notre recherche soit plus précise, nous allons ici dire que nous voulons que la recherche concerne seulement les textes qui ont pour du paragraphe liste numérotée. Donc, je vais placer sur le premier cas.
Quand je peux me placer même au début du texte, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Et je vais en fusion là. Vous voyez qu'il retrouve exactement ce que nous voyons. Maintenant, il faut donc être sûr aussi qu'il va supprimer ce que nous voulons. Donc, je lui demande de trouver le premier cas. Ici, je vais changer là, il supprime. Deuxième cas, il supprime. Donc, je vais donc demander de revenir. Et là, je peux donc lui dire de supprimer ça pour tout le document. Donc, retrouver. Et supprimer pour tout le document. Il nous dit qu'il y a 69 cas qui seront supprimés. Il dit OK. Voilà. Donc, avec la formule grep, nous avons pu supprimer tous les puces. Et la liste à puces est devenue une liste numérotée. Bon. Deuxième problème avec cette liste, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est que les listes, nous voulons qu'à chaque fois, elles commencent plutôt par 1, 2, 3, 4, 5. Puisque dans les listes à partir de différentes sections, les sections ne parlent pas de la même chose. Donc, pour cela, donc, nous allons d'abord entrer dans la liste numérotée. Et ici, je veux demander... supprimer tout ce qui n'est pas bon. Je vais prendre un exemple ici. Le premier, je te vois jusqu'à 21. Donc, là, je vais demander d'appliquer. Ici. Je vais aussi demander de cliquer à quelqu'un qui montre ce qui ne va pas. Est-ce qu'on peut faire aussi si c'est redéfinir le style? Bon, et ce n'est pas utile, je peux laisser. Alors, oh, les numéros sont partis. C'est ce que nous ne voulons pas. Alors, nous allons donc entrer encore et éditer la liste. Demander une rotation et bon, comme la population est active, nous pouvons voir donc comment la liste se présente. Ici,
نليم هاي تواتش Je vais demander un retrait. Après le retrait, là, je vais. Assurer que ça va être premier ici 0. Voilà. Donc, notre registre est revenu à la normale, si on peut dire comme ça. Sauf pour quelques cas. Bon. Nous allons encore éditer la liste là. Toujours au niveau des numéros. Alors, nous passons maintenant au niveau du deuxième bloc. Voilà. Et au niveau du deuxième bloc, la liste commence par 1. Ça veut dire qu'en principe, là-bas, il n'y a pas de problème. Au niveau du troisième bloc, maintenant, la liste continue à 29. Là, ce n'est pas bon. Donc, en principe, nous voulons aussi une sorte d'alignement, comme nous n'avons pas. Le bon. Donc, ce que nous faisons très souvent, c'est que bon, au niveau du deuxième bloc, ça passe, il n'y a pas de problème. Au niveau du troisième bloc, nous recréons notre liste. C'est-à-dire que je sélectionne tout le texte. Et nous avons ici dupliqué la liste numérotée. Allons-y. Nous appliquons d'abord la liste numérotée pour voir. Donc,
Il continue tout simplement. Et le nom de dupliquer la liste là, on peut l'appeler musumorti 3, c'est le troisième bloc. Ici. On peut demander d'aller au prochain niveau. Donc, si nous une nouvelle liste de mortiers, vous voyez que tout le monde reprend à partir de 0. Et ici, nous faisons la même chose. Je peux créer la liste. Et après, duplication de la liste, nous allons incrémenter le niveau et appliquer. Donc, on va voir un peu ici aussi. On va commencer par 1. Voilà. Donc, nous avons en total 4 listes de mortiers dans notre document. Alors, nous sommes encore au niveau de la première liste là, ça va jusqu'à 5, non jusqu'à 9, mais après là ça ne va pas. Donc, liste de mortiers là. Après la liste de mortiers là, nous allons commencer avec la table de matière, c'est ce qu'on est censé faire ici. Donc, pour la table de matière, nous assurons que titre et sous-titre s'appliquent légèrement. Prenons d'abord le grand titre ici. Nous allons demander, alors là on a déjà édité, nous assurer que il est bien bien défini.
On va le boucher. Il va bien sélectionner tous ceux qui... Ici, nous avons encore le titre numéro 1. Donc, nous allons créer la table matière. Les étapes de la création de la table matière sont très simples. Nous devons avoir un titre. La table matière a un titre généralement. Et ce titre doit avoir un style qui lui est appliqué. La table matière se crée dans un bloc de texte ou bien il devient comme un bloc de texte et c'est un bloc de texte qui contient tous les titres que nous voulons voir s'afficher dans la table matière et les titres sont reliés au mot de page mais tout ce bloc de texte aussi a un style de paragraphe qui permet de fonctionner. Quand je dis qu'il permet de fonctionner, ça veut dire qu'on peut de toute façon à ce qu'on peut mettre à jour sans problème. Donc nous avons trois styles de paragraphe qu'on utilise très souvent, TOC 1, TOC 2 et TOC 3. Et à partir de ces trois styles, nous mettons à jour la table matière. Donc bon, dans un premier temps, donc, nous allons saisir le texte table des matières à côté là. Table des matières et nous allons appliquer style code de texte à ce texte. Bon, ça va déjà. Alors, avec les glyphes là, on peut lui ajouter un texte avec son grave. L'accent grave, voilà, la table des matières. Nous allons donc copier ce texte. Voilà. Et nous allons donc, parce que pour la table des matières, nous créons d'abord les styles de table matière, ils sont nombre de 3. Et puis, nous allons allouer ce style-là à la fonction qui crée la table matière. Et enfin, nous allons générer la table matière. Donc, les trois styles de table matière, donc je pense que c'est les trois styles qui permettent de mettre en forme la table matière. Donc, je vais aller dans la mise en page, le style de la table de matière, et je vais demander un nouveau style de table de matière. Je vais appeler ça table des matières. Alors, au niveau du titre, comme je fais souvent, c'est que je colle mon titre ici. Et pour les styles, je ne peux pas encore les définir ici parce que ça n'existe pas encore. Mais au moins, je peux dire ici que je veux que ce titre numéro 1 soit un style de table matière. Titre de niveau 1
Ça aussi, hein, c'est de la matière. Au moins, les 10 choses à se font déjà bonnes. Bon, au niveau du style ici, ça c'est le style qui est appliqué sur le titre de la table matière. Je peux au moins dire que je veux que ce soit un. Bon, ici il y a un style aux éteintes. Ça c'est un style qu'on me propose par défaut. Je peux le choisir. Bon, maintenant au niveau des entrées ici, alors il a proposé TOC Body Text, je peux aussi le choisir. Il a, je veux cliquer en. Je peux cocher ici les ancrages et je dis donc bon, et on n'a plus d'options. Alors nous voulons combien de niveaux? On a dit deux niveaux. Je vais dire ici OK. Dans notre style de table matière est créé. Et je peux dire OK ici. Bon. On va aller dans le style de barre. Vous allez voir que les deux styles sont créés ici. Et pour le titre là, je peux le guider. Je vais juste demander que le texte soit gras. Que le texte soit d'abord au carré et que je sois du gras, alors qu'il soit centré, décentré. Bon, au niveau du texte, je vais dupliquer ça en trois. Mais ici, la première chose qui nous intéresse, c'est au niveau des tabulations. Alors, ici, je vais placer une tabulation droite. Qui permet de placer et puis je mettrai les points de suite là. Bon. Alors, comme c'est le premier temps. Je ne vais pas définir de retrait ici. Je vais dire OK. Mais je vais dupliquer pour avoir le deuxième cas. Parce que je veux un deuxième cas. Et ici, je vais demander un retrait. Voilà. Après, nous allons voir ce que ça va donner. Je vais dupliquer à nouveau pour avoir un troisième cas et pour le troisième cas aussi je vais demander un retrait. Maintenant nous allons générer la table des matières. Donc, très souvent, nous n'avons pas besoin de texte pour le faire. Donc, je vais mettre la zone de texte. Je vais donc mise en page table des matières. Alors, tous mes choix réapparaissent. Donc, nous avons dit que la particularité ici, c'est que nous voulons que le titre du niveau 1 s'applique aux commandes de texte. Le titre du niveau 2 s'applique au code de texte 2. Voilà. Et
Bon, les autres styles sont appliqués au format ce que nous avons demandé. Bon, je dis OK. Je peux sauvegarder ce style. Je vais dans maintenant là, inscrire dans la table de matière. Donc, vous allez voir donc que la table de matière se présente avec les différents textes. Donc, nous voulons que nos textes aillent jusqu'au bout. Ils sont alignés. Nous voulons ici que le marque final soit à l'extrême. Donc, le décalage est inversé. Non. Pour faire ça, nous allons toujours rentrer au niveau des styles de table de matière. Demander d'éditer les styles de table de matière. Bon, nous pouvons faire ça ici, mais nous pouvons aussi. Eh bien, nous pouvons cliquer et aller dans les textes. Oh. Bon, je crois qu'il y a une confusion. Allons au niveau des styles de table de matière là, éditer. Alors, sous-titres de niveau 1 là. Niveau du texte. Et sous-titres de niveau 2. Ok. Donc, nous allons éditer plutôt le style ici. Il n'y a pas de retrait. Titre de niveau en qui s'applique là-bas. Donc, nous éditons comme on a dit. Titre de niveau 1. Lui, il s'applique plutôt à celui-ci. Alors que celui-ci s'applique à celui-ci. Donc, nous avons inversé. Alors, nous avons fait un changement. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est plutôt mettre à jour la table de matière. Et alors, les choses reviennent dans l'ordre. Donc, il nous reste maintenant à ajuster le numéro là, que ça aille jusqu'au bout. Pour ça, donc, cliquer dans un élément de la table matière, je vais directement au niveau du style paragraphe qui est appliqué. Je vais prendre la tabulation là. Et ici, je vais juste bouger la tabulation. Bouger la tabulation jusqu'au bout. Voilà. La tabulation donc. Changer pour ce cas-ci. Et là, je peux déjà valider. Et ici, c'est la même chose. On va bouger la tabulation. Là. Et nous avons fini. Donc voilà comment
No, ok, no sé tan maché. No, pull and next. Non, d'abord. Afficher le panneau index. Non, c'est un panneau qui nous permet de... choisir les mots que nous voulons ajouter à l'index. Si je peux demander le mot texte là, je sélectionne dans le mot en question, je dis que nouvelle page de référence ici. Je dis que je veux tous les entrées d'index. Je dis OK. Alors, je peux aussi aller là. Je dis de créer une entrée d'index et d'ajouter dans tous les entrées d'index. Alors, même chose pour... extension. En design. Il prend PDF. En Dropbox. Je vais prendre Word. Vais prendre Tableau. Vais prendre Texte. Bon, j'ai déjà pris Texte. Vais prendre Trait de coupe. Gabarit. Difficile d'assemblage. Prendre contrôle en amont. Alors. Bien du texte. Vais aller dans maintenant créer l'index. Alors, évidemment, ici, je vais toujours comme endroit et je vais demander de générer l'index. Titre là. Voilà, dans les options là, je peux voir tous les autres possibilités que j'ai dans la création de mon index. Je vais fermer. Donc, ici créer une zone de texte dans laquelle j'ai mon index. Supprimer ici. Voilà. Et dans tous les éléments de l'index.
Bon, avant de clôturer, une petite remarque qu'on fait aussi, c'est que, donc, comme nous tiens de le dire tout à l'heure, à chaque fois, le mot commence par 1, mais il y a des cas où vous pouvez avoir, c'est-à-dire que, je prends l'exemple du dernier bloc d'une rotation ci. Alors, ici, je vais sélectionner le bloc. Voilà. Voilà. Non, nous avons vu que ce bloc d'une rotation s'applique à l'île montée 4. Bon. Dans un document qui a peut-être 100 lignes numérotées, vous allez voir qu'il y a un problème parce que si nous allons ici dans les lignes numérotées, vous allez voir que au niveau là, quand on est déjà à 9, on est à bout. Donc, alors quand il y a un problème, si vous avez déjà atteint le sommet, le sommet au niveau des niveaux, vous pouvez aussi demander une nouvelle liste. Vous attribuez un nom, vous attribuez par exemple le nom groupe ou bien même chapitre 1, puis je dis OK. Là, dans le chapitre 1, les montations vont jusqu'à 1 à 9. 1 à 9. Après, je peux donner dans le chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, et ainsi de suite. Donc, je dis OK. Là, j'ai le résultat.